Mesdames et messieurs, bonjour. Votre télévision reçoit pour vous l'équipe du groupe de presse d'Abaro dans le cadre des festivités de 5 ans de son existence. Pour en parler, nous recevons pour vous, sur ce plateau, le PDG du groupe de presse, Barabas Orokouma. Monsieur Barabas Orokouma, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour à tous les téléspectateurs de Benoît Libéré TV. Alors, pour animer cette émission, je suis avec Yakubu Akilou, le DP du groupe de presse de Benoît Libéré. Akilou Yakubu, bonjour. Bonjour chers confrères. Alors, d'entrée de jeu, déjà, je m'en vais demander à notre invité, qui n'est pas un inconnu de la maison, puisqu'il y vient de temps en temps avec qui nous avons des émissions, nous avons des rencontres. Alors, dites-nous, PDG, oui. Comment vous est née cette idée de création d'entreprise, de création de groupe de presse, ou j'allais dire, de votre société Boxall à Parakou? Merci beaucoup, chers confrères. Je tiens d'abord à remercier le promoteur du groupe de presse, le Benoît Libéré, mon grand frère, remercier tous les responsables du groupe de presse Benoît Libéré qui m'ont très bien accueilli. Comme vous l'avez dit à l'entame, c'est dans le cadre du 5e anniversaire du groupe de presse d'Abaro, un 5e anniversaire que nous avons voulu célébrer vu le chemin que nous avons parcouru, vu le résultat que nous affichons à notre compteur en 5 ans d'existence. C'est peut-être petit comparé à Benoît Libéré par exemple, c'est petit, mais au vu des difficultés et des défis qui étaient les nôtres, au démarrage, on s'est dit c'est normal de marquer ces 5 années d'existence. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création du groupe de presse d'Abaro? Il faut dire que d'entrée, j'étais journaliste. Je suis journaliste jusqu'à ce jour. J'appartenais à un organe de presse, le municipal, où j'ai commencé les premiers pas. C'était en 2013, dans le monde des médias. Après, quelques années après, en 2016-2017, l'entreprise a eu quelques difficultés, ce qui a occasionné mon remerciement. L'entreprise a momentanément fermé, donc je me suis retrouvé sans emploi. Donc il fallait subvenir aux besoins, à mes besoins, aux besoins de la famille. Mais étant correspondant, pour avoir été correspondant du municipal au niveau du Septentrion, j'ai eu le temps de me faire une certaine assise. J'ai eu le temps d'avoir des attaches, d'avoir des contacts avec les maires, parce que le municipal, c'est un journal qui parle de décentralisation. Et quand on parle de décentralisation, on travaille avec la population à la base, les maires et autres. Donc j'ai eu le temps d'avoir un carnet d'adresses. J'ai eu le temps également d'opiner souvent sur les questions qui touchent à l'actualité politique et autres, ce qui me donnait déjà une certaine visibilité à travers mes articles sur les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp et tout. Donc après que mon contrat soit suspendu au niveau du municipal, il fallait chercher à défaut un autre organe de presse où je peux désormais officier. Mais je me suis dit, tiens, avec les attaches que j'ai pu prendre, avec les analyses qui m'ont donné une certaine visibilité, pourquoi ne pas se lancer dans une initiative de création d'un journal. Voilà, c'est comme ça. D'abord, au départ, avec un ami, on a eu cette idée de créer. Je lui ai soumis l'idée, il a approuvé. Donc on s'est lancé dans le projet de création du journal d'Abaro. Ça, en octobre 2017, le journal d'Abaro, la première parution est sortie. Nous avons fait du chemin, mais 9 mois après, on s'est séparés et j'ai pris encore l'entreprise. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais demander pourquoi avoir choisi Parakou alors que le business se passe du côté de Cotonou, bien de la partie méridionale du pays. D'abord, je suis originaire du Septentrion, je suis de Koindé. J'ai fait mes études en partie à Bembeleke où je suis né. Et à Koindé, j'ai poursuivi avant de venir en 2017 à Parakou. Donc j'ai eu le temps d'avoir le BEPC, le bac, de grandir effectivement à Parakou. Et je suis quelqu'un, j'ai une éducation qui me colle un peu plus à ma région, à ma culture. D'ailleurs, c'est ce qui explique que Abaro porte le nom, un nom authentiquement bâtonnou qui veut dire nouvelle ou information. Donc pour moi, il n'était pas question d'aller ailleurs créer. Il fallait un journal qui porte l'identité du Septentrion. Un journal autour duquel on retrouve cette partie du pays qui est, il faut le dire en son temps, vierge en termes d'occupation médiatique. Il y avait certes quelques
journaux comme le Canard du Nord, La Boussole, mais ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait parce qu'ils étaient dans le format analogique, l'ancien format des journaux. Donc moi, je venais avec une nouvelle approche, un journal qui est plus numérique, un journal qui se base sur un atout géant qu'on ne perçoit pas, l'atout qui est les réseaux sociaux. Et c'est sur ça que je me suis basé en prenant pour appui notre région qui était Viège pour défendre les valeurs qui sont les nôtres au niveau de la région septentrionale pour montrer que ça, c'est pour nous. Le fait que d'abord le journal ait un nom et bâtonnons, ça veut dire que beaucoup dans la région septentrionale vont s'en approprier, vont dire, bon, tiens, aujourd'hui, ça, c'est pour nous parce que ça porte notre nom. Voilà pourquoi d'abord devait être à Parakou et non à Cotonou, malgré les difficultés qui pouvaient s'afficher lorsqu'on prend cette initiative. Et comment l'accueil a été? Bon, ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile parce que pour s'installer dans un milieu aussi vierge, il faut faire un travail d'éducation des gens. Il faut créer le besoin au niveau des populations. Il y a des autorités qui vous chantent ce langage. Non, moi, mes électeurs ne lisent pas les journaux. Voilà. Je dis, mais tiens, les électeurs ne lisent pas les journaux, mais ce ne sont pas les électeurs qui décident de votre positionnement sur une liste. Ce sont les grands lecteurs, ce sont les grands de votre parti politique qui décident de vous positionner sur une liste. La population découvre la liste et choisit de voter pour telle ou telle personne. Si on ne vous positionne pas, on ne peut pas voter pour vous. Et ceux qui vous positionnent, ceux qui vont vous positionner sur une liste, eux, ils lisent les journaux. Ce sont les élites. Ce sont les élites de votre région, c'est-à-dire les étudiants, les cadres, les leaders de partis politiques. Et eux, ils lisent les journaux. Donc, c'est très important de communiquer pour eux, même si vous ne le faites pas pour votre base. Bon, voilà ce qu'on a dû faire d'abord. Provoquer le besoin, montrer aux commerçants qui vend des divers qu'il a besoin de communiquer pour qu'on vienne chez lui. À celui qui a un restaurant, qu'il a besoin de communiquer pour que si les gens quittent Cotonou, qu'ils sachent qu'à Parakou, le meilleur restaurant, c'est vous. C'est ça, a besoin de communiquer. On a fait ce travail et ça commence à prendre avec le temps. Mais dites-nous, lorsque vous installiez à Parakou, quelles étaient les réelles difficultés auxquelles vous êtes confrontés en termes de, je dirais, bon, d'installation? C'est vrai, vous venez d'en expliquer un peu par rapport aux autorités qui étaient là, mais au-delà de ça, quelles sont les réelles difficultés auxquelles vous êtes confrontés et qui ont plus ou moins freiné votre élan et qui peut-être même, on dira, vous ont semblé vous décourager un peu, mais avec votre témérité, vous avez osé. Oui, je pense que les difficultés pour un jeune comme moi de 27 ans qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, la première grosse difficulté, c'est le financement. Or, en entrepreneuriat, ce que j'ai pu apprendre, c'est que n'attendez pas qu'on vienne financer un projet que vous avez encore dans la tête. Il faut démarrer. Et pour démarrer, il fallait avoir le minimum. Il fallait avoir un 5 000 pour pouvoir avoir la une. C'est avec ce que moi j'ai démarré. 5 000 pour avoir la une. Quand la une sortait le 11 octobre, les 5 000 on a payé au graphiste qui nous a monté la une et on a lancé ainsi le journal. Donc il fallait imprimer les journaux, il fallait créer le site internet, il fallait approvisionner les comptes pour l'internet et tout ça. Donc voilà les premières difficultés. Mais bon, il y avait déjà quelque chose qui peut surmonter les difficultés, c'est l'engagement, c'est la détermination, c'est la volonté, et ça, il y en avait en abondance. Ok, alors si vous devez comparer Parakou aujourd'hui par rapport au moment où vous vous installiez, quelle remarque faites-vous? Qu'est-ce qui a apparemment changé? Ah non, beaucoup de choses ont changé parce que aujourd'hui nous en sommes à ne plus avoir Dabarou seul à Parakou. Nous avons plusieurs autres organes de presse qui sont venus et qui aujourd'hui font leur parcours dans l'univers médiatique du Septentrion. Ça veut dire que quelque part nous avons montré que c'est possible, quelque part nous avons montré la voie à suivre et des gens aujourd'hui pensent qu'on peut venir implanter un journal à Parakou et pouvoir s'en sortir. On peut faire une web TV à Parakou et s'en sortir. Donc je pense que beaucoup de choses ont changé. Nous sommes parvenus à faire comprendre aux gens qu'ils doivent communiquer. Nous sommes parvenus à faire comprendre
aux opérateurs économiques que la communication permet de donner la visibilité à son business et de faire plus de profit. Nous sommes parvenus à faire comprendre aux hommes politiques qu'il faut communiquer parce que c'est important. Il faut communiquer parce qu'il faut rendre compte aux populations. Il faut communiquer parce qu'il faut attirer l'attention des leaders politiques sur vous. Et aujourd'hui, c'est clair, Parakou n'est plus ce qu'il était il y a 5 ans. Parakou, en termes de communication, a beaucoup évolué. Quand on voit votre expérience en termes de ce que vous avez engrangé en 5 ans, qu'est-ce qu'une entreprise qui voudrait s'implanter a gagné à travers ce que vous avez eu comme difficulté et ce que vous avez eu comme avantage? Non, je pense que ce que l'entreprise gagne d'abord, c'est le fait que nous, on a balisé le terrain en quelque sorte. On a balisé le terrain, on est parvenu à faire partie un mythe, le mythe de la communication. Avant, les entreprises te diront non, je ne veux pas communiquer parce que quand je commence par communiquer, les impôts vont me courir après. Les politiciens vont dire non, je ne peux pas communiquer parce que mes populations sont analphabètes, elles ne lisent pas les journaux. Non, on a dépassé ce niveau. Donc, ça veut dire que c'est déjà un terreau pour les entreprises qui viennent. Et elles peuvent déjà venir s'installer parce que il y a déjà des gens qui ont été habitués à la communication qui le font. La difficulté peut-être sera la concurrence, être à la hauteur de ce qui existe. Parce que l'autre chose est de créer une entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui existaient avant Dabarou, qui n'existent plus aujourd'hui, des entreprises de presse. Il y a des entreprises qui sont venues après Dabarou, qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a des entreprises qui existent, mais qui ne parviennent pas à se hisser à la hauteur de Dabarou, parce que il y a un certain nombre d'exigences lorsque vous voulez faire du sérieux dans la presse qu'il faut observer, que nous observons. Donc il y a ce défi là de pouvoir se hisser à la hauteur au niveau où Dabarou est aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours facile lorsque vous naissez. C'est tout un chemin qu'on a fait et on a eu la chance d'avoir des jeunes qui opposent notre idée. On a eu la chance d'avoir des collaborateurs qui sont prêts à nous accompagner dans cette initiative, qui se battent, qui travaillent qui travaillent dur pour que nous soyons le leader en termes de communication dans le septentrion. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de votre équipe. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas facile pour soi-même de s'apprécier. Alors, si vous devez vous apprécier, tout ce que je vous le demande, que direz-vous? Est-ce que vous êtes un bon patron? Vous êtes un patron bon? Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas un bon patron. Ça, je peux vous le dire. Je ne suis pas un bon patron parce que je suis très rigoureux. J'aime le résultat et le bon résultat. Et on ne peut pas être, si vous êtes un bon patron, vous ne donnerez rien de bon. Parce que pour les employés, le bon patron, c'est celui qui applaudit tout ce qui se fasse. C'est celui qui applaudit tout ce qui se fait, que ça soit bon ou pas. Mais non, je ne suis pas ce genre de patron. Je suis le patron qui exige la qualité. Je suis le patron qui exige le résultat, quel que soit le prix. Vous êtes là pour un travail, vous devez pouvoir faire le travail. Je suis le patron qui, parce que moi, quand je servais, je n'attends pas forcément le retour pécunier avant de travailler. J'ai travaillé pendant des mois sans salaire, mais j'ai acquis de l'expérience. J'ai acquis du savoir-faire qui me sert aujourd'hui. Mm-hmm. Et je pense que tout employé doit se mettre en tête que je ne travaille pas pour ce monsieur. Je travaille pour moi-même parce que ce que j'apprends à travers ce travail va me servir demain. Si les jeunes se mettent dans cette idée, dans cette manière de penser, un, ils vont très bien travailler, ils seront applaudis, ils seront recherchés, ils se feront un nom. Parce que j'ai quelqu'un, moi ce qui me guide par exemple, c'est qu'on me dit, ne courez pas derrière l'argent, courez derrière la connaissance. Lorsque tu cours derrière l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Mais si tu cours derrière la connaissance, une fois que tu as acquis la connaissance, c'est l'argent qui te courira après. Et là, tu l'auras. Donc, lorsque vous êtes employé dans une entreprise et vous pensez que c'est tout de suite que vous allez avoir le retombé du travail que vous faites, vous vous trompez. Ce n'est pas possible. Et je le dis même à mes collaborateurs, vous allez peut-être être jaloux de moi. Parce que lorsque vous êtes employé quelque part, ce n'est pas possible de devenir riche si vous êtes employé. Malgré que vous êtes chez moi, pensez à créer quelque chose, pensez à avoir une entreprise. Parce que ce n'est pas évident que vous travaillez pour quelqu'un et devenir riche. Vous venez travailler chez moi pour acquérir de l'expérience pour que demain vous puissiez créer pour vous. Si vous êtes là chez moi pour travailler toute votre vie, vous ne serez jamais riche.
Donc, vous venez à une formation, vous venez chez moi à une école qui vous permet d'avoir les instruments pour que demain, vous puissiez être patron quelque part. Et c'est en ce moment que vous allez commencer par être riche. Alors, donc, Nabarou, oui. Je ne vous coupe pas la parole. Non, oui, Nabarou vient de fêter, je dirais pas, fêter bientôt ses 5 ans. Alors, entreprise bien assise avec aujourd'hui un prestige assez considérable à Parakou. Dites-nous, quelles sont les prochaines étapes? Non, j'aime pas qu'on présente d'abord comme, ou bien qu'on me présente comme un entrepreneur qui a déjà réussi. Ce n'est que 5 ans. Ce n'est que 5 ans. Et les défis sont encore énormes. Il faut reconnaître qu'à... Oui, les défis sont encore très énormes d'ailleurs. Et il y a encore du chemin à parcourir. Je pense que on n'a pas encore fait le millième de ce qu'on a fait. Pour ça, c'est vrai, on a fait un pas, mais il reste encore beaucoup à faire. Les perspectives, c'est que nous parvenons à mettre en place un groupe de presse solide qui défie qui tutoie certains niveaux en termes d'équipement, en termes de contenu, en termes de produits que nous vendons. Ah, mais parlons de ça, dites-nous, quels sont les services que Dabarou offre aujourd'hui côté de Parakou? Alors, le groupe de presse Dabarou, ou l'entreprise Boxal, c'est d'abord le groupe de presse Dabarou qui a le journal Dabarou, le quotidien Dabarou, qui est notre premier produit. Nous avons la télévision numérique Dabarou TV, nous avons la radio numérique Dabarou Web Radio, nous avons un centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique, c'est Foman Dabarou, qui a sa deuxième promotion. Nous formons en graphisme, infographie, cadrage, montage et autres. Nous avons également une agence de communication, Dabarou Communication, qui réalise des productions audiovisuelles, des films documentaires, des documents de capitalisation et beaucoup d'autres choses. Nous avons également Dabarou Biotique qui vend des produits du bureautique, des cahiers, des fournitures scolaires. Et bientôt, nous ouvrirons un restaurant qui va faire dans l'événementiel, la restauration et l'immobilier. Quand on voit Dabarou aujourd'hui qui s'agrandit à travers, en multipliant les différents services en son sein, comment tu juges aujourd'hui la qualité du journalisme du côté de Parakou? La qualité du journalisme, vous savez, aujourd'hui, le journaliste devient un fourre-tout où on confond journalistes et des influenceurs. Donc, je pense que ce qui différencie peut-être un journaliste sérieux à un autre, c'est le contenu qu'il véhicule, c'est la qualité de l'information qu'il donne. Et il faut le dire, à Parakou et dans le Septentrion, on a de très bons journalistes. À Parakou, dans le Septentrion, on a des organes de presse très sérieux. Et je pense qu'il y a tout. Il revient au lecteur de choisir le juste milieu et de savoir qui fait du bon, qui fait du mauvais, et d'apprécier les contenus et de savoir où se diriger. Voilà. Alors, dites-nous, quel est votre mot de la fin pour clore cette émission? Merci beaucoup. Je tiens vraiment, vraiment à remercier Benoît Liberté TV. Je tiens à remercier mon grand frère Abubakar Takou pour... ce qu'il est pour moi, un mentor, quelqu'un qui m'inspire. S'il faut le dire, il y a que dans la presse, je le dis souvent à ceux aux stagiaires qui viennent à Dabarou, il n'y a rien qu'on invente, il n'y a rien qu'on crée. Tout existe déjà. Lorsque vous aspirez à être journaliste, il faut pouvoir forcément identifier quelqu'un dont le style, dont la manière de faire vous inspire. Et vous prenez, vous mettez sur ses pas en ajoutant le vôtre. Donc j'aime le style de Abubakar Takou, j'aime la manière dont il donne l'information, la manière la plus simple. Et même quelle que soit l'importance de l'information, elle se donne de façon la plus digeste, avec de l'humour. Moi, j'aime ça. Et depuis que j'ai lu son premier texte, je ne saute jamais une fois de lire ses articles, parce que je trouve, même si l'information qui est vécue ne m'intéresse pas, je prends du plaisir à lire. Et je pense que pour moi, c'est la meilleure manière de donner de l'information, et sans compter l'accompagnement que j'ai. Il a d'ailleurs été le parrain de la promotion, de la première promotion du centre de formation. C'est un grand honneur. Cela a été très bien apprécié par beaucoup. Merci à Benoît Liberté TV. Merci à tous mes confrères de Benoît Liberté TV. Merci à toute l'équipe de Dabarou qui
travaillent comme des fous, ils travaillent comme des fous, ils sont au four et moulin. Vraiment, j'ai une équipe très formidable dont je suis très fier. Et partout où je passe, je le dis, c'est grâce à eux, on est là où nous sommes. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous offrir cette occasion pour nous permettre de discuter avec vous, de discuter de comment Boxa se porte à Parakou. Oui. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.